parler et partager votre expérience quotidienne positive. Ce que je veux vous dire, c'est que tous les jours, on a un peu des pépins, hein, mais les enfants comme vous. Et voilà pourquoi vous avez besoin de privilégier les discussions en famille. Faites en sorte de discuter en famille et partager en priorité des bons moments. C'est-à-dire que je ne demande pas à ma femme et mes enfants de s'étendre trop longtemps sur ce qui n'a pas fonctionné dans la journée. Il peut y avoir des moments où on a besoin de, pas de se vider, parce que de se vider, ça donne un sentiment de vomir sur l'autre et de gâcher la soirée, ce que beaucoup de gens font qui n'arrivent pas à gérer leurs émotions. J'espère que vous avez appris à gérer vos émotions, c'est certain. Et donc, parce que ça fout en l'air votre travail, vos revenus, votre salaire et votre famille. Donc c'est essentiel de savoir gérer ses émotions, et notamment en business. Donc, ce que je veux surtout, c'est, bon, il s'est passé quelque chose de pas forcément très fun dans la journée, on en parle, mais très très vite, j'arrive, alors je ne suis pas toujours l'animateur, hein, je ne suis pas celui qui parle le plus dans la famille d'ailleurs, mais et c'est d'ailleurs Julien qui parle le plus dans la famille, c'est mon plus petit, il parle beaucoup. Et c'est génial parce que je suis en repos, c'est un petit conférencier. Donc, et à la fin de la journée, je fais très très vite, ça s'est mal passé, mais quelles leçons on a tenues? Quelles sont les leçons qu'on a retenues? Qu'est-ce que j'ai retenu comme leçon? Qu'est-ce que j'ai retenu comme leçon? Il y a une bêtise qui est faite. Qu'est-ce que tu retiens comme leçon? Qu'est-ce que tu aurais dû faire? Qu'est-ce que tu as appris? Et si moi je faisais la même chose dans ma carrière, dans ma vie privée ou professionnelle, qu'est-ce que tu en penserais? Tu es d'accord? Et ce juste recul est chouette, mais très très vite je tourne les leçons, les mauvais coups, entre guillemets, en leçons, en apprentissage. Et là où je veux en arriver, c'est que je focalise surtout, et dans la famille on le sait tous, nos discussions sur les bons moments de la journée. Et il y en a toujours.